Bonjour la famille. Le Congo a perdu une légende encore. Maman Tchala Moana nous a quittés comme tout le monde le sait. Mais ce qui est inquiétant, voir les Congolais eux-mêmes commencer déjà à dénigrer, à saboter l'âme de notre chère maman Tchala Moana. C'est comme si chez nous au Congo, on a plus d'humanisme. C'est comme si chez nous au Congo, en Afrique, tout est devenu à la légèreté. On prend tous à la légère. Il faut apprendre à réfléchir aussi. Il faut apprendre à être sérieux à un moment donné. Ne soyez pas seulement des personnes des réseaux sociaux. Il faut avoir aussi l'esprit de discernement, s'il vous plaît. Vous les impolis, les mal éduqués. Vous commencez déjà à appeler. Il y a la famille qui commence déjà à plaire. Il ne plaire même pas la personne. Il commence à plaire les choses que la dame a laissées. Oh, mais mon Dieu. Ceci me rappelle. Ça me fait vraiment réfléchir au jour où nous, par exemple, moi, je ne serai plus là. Même la famille propre de Tchala Moana commence à plaire. Demander les affaires, les objets. C'est comme si c'est la famille qui a tué la dame, la maman. Une personne qui a souffert, qui était malade. On a vu des images comme elle souffrait. Il y a des gens qui ont dit qu'elle est empoisonnée. Vous n'avez même pas de preuves. Il y a des personnes qui disent que Elle avait touché des fétiches. Maintenant, les fétiches sont à la fin. Les esprits vont la prendre. Beaucoup de choses circulent sur la mort de la dame ici. Chers amis, toye banano ko sosola. Personne n'est éternel sur la terre ici. Comme toi et moi, qu'on le veuille ou pas, un jour va partir. Il n'y a personne qui va quitter sur cette terre ici vivant. On doit passer par la mort. N'écoutez pas des faux prophètes, que ce soit Denis Lessi, c'est un monsieur qui vit seulement des aventures. Il y a beaucoup de prophètes qui commencent maintenant à changer. Tout ce qu'ils ont dit, ils commencent à donner ça comme si c'était la prophétie à de Maman Tchala Moana. Pendant que dans des Bibles que nous tous lisons, la prophétie, on vit avec les noms directs de la personne. Depuis quand quelqu'un a dit que Maman Tchala Moana va mourir? Personne n'a jamais dit ça. Mais comme elle est morte, maintenant c'est Denis Lessi qui parle, qui monte au créneau, commence à dire. C'est comme si il prophétisait à la mort de quelqu'un. Ce monsieur doit être arrêté. Maman Tchala Moana nous a laissé. Elle a tout fait. Elle a amené notre musique à une dimension supérieure. Aucune dame au Congo. Aucune dame, je dis et je répète, aucune dame au Congo a été à la hauteur de Tchala Moana. Jusqu'aujourd'hui, aucune dame. Mais regardez comment on commence à tarnir son image. On commence à mal parler. Pendant qu'il y a seulement moins de 24 heures, elle vient juste de mourir. Il y a les gens qui disent... c'est son mari et son mari était gigolo. Mais mes chers amis, ils ont vécu ensemble plus de 10 ans. C'est aujourd'hui que vous dites qu'il est gigolo. Un monsieur qui a vécu avec sa femme dans une maison sous le même toit. Vous qui dites que le monsieur là est gigolo, vous n'êtes pas instruit. La loi congolaise. Elle dit qu'après 3 mois, je sais pas, 6 mois de vivre ensemble, à concubinage dans une maison, ça devient l'union des faits. Est-ce que vous connaissez l'union des faits? Après avoir passé 6 mois dans une maison, homme et femme, vous devenez automatiquement marié. Vous qui appelez le mari de Tchala Moana gigolo, il faut vous instruire. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Qu'est-ce qu'il y a de rapport entre la mort de quelqu'un et être gigolo? Il faut respecter l'âme de quelqu'un. Il faut respecter d'abord la personne de quelqu'un. Le monsieur là, il n'a rien dit. Il est en train de souffrir. Sa femme est morte. Sa femme est partie. Mais comme vous ne mourrez jamais, vous ne mourrez pas. Vous
vous êtes en train de critiquer, vous êtes en train de rire. Lobby est comme la pebino. Lobby est comme la bino. Puisqu'il n'y a personne qui va quitter sur cette terre vivant. Bino tout beaucoup koufa. La façon dont les messieurs là aza koyo kapasi. Bino pe un jour beaucoup yoka kapasi wana. Il s'en est fait même pas longtemps tous eux yo comme maman chala moi la bande connait bazako koufa kala mingi te ya une autre personne qui est mort. Je sais pas si soit qui grande sœur soit petite sœur mais autre koufa il y a même pas 3 mois. La dame ici elle est souffrante. Frère de konaye a koufi. Ba problème wana nyoso est-ce que ekoki ko memela isu ba hypertension te soki muto akufi na ba makambo ebele pourquoi bino boza ko mema makambo na ndenge mosusu o ba pesier poison ezana bato ba komi ko kose la paix chef de premier dame ya Congo Denise Nyakiru ba komi ko loba ye muto abomie akoboma chez nous on ne peut pas mourir soki muto akufi il faut motif ezala soki muto akufi il faut motif ezala. Soit qu'ils aiment opposition, il faut Denise Kandé Bakoloba Bomie, soit le président Tshisekedi. Soit qu'ils ont opposition à Koufi, il faut que le gouvernement soit à Koboma. Quand il s'agit de quelqu'un de gouvernement, c'est comme opposition. Donc chez nous, tout est dans la bassesse. Il n'y a même pas de personnes qui réfléchissent bien. Mouto à Koufi, quelqu'un vient de mourir, même pas un jour. Tout le monde est sur les réseaux sociaux en train de créer des baisses. Il y a les gens qui disent que son mari est un gigolo. Il y a les gens qui disent que Denise Nyakiru a tué celui qui est à la base de la mort de la dame ici. Puisqu'elle avait chanté, je ne sais pas, ingratitude. Zembo Yakala, ça a déjà daté presque un an. Bosa Kolobela Liwa Lilo. Pourquoi elle n'a pas été capable de la tuer à ce moment-là? En tout cas, il faut. Bon. Vous avez la capacité à se retenir. La dame ici doit être pleurée. C'est une héros. C'est une légende. Elle doit être pleurée dignement. Digne de sa valeur. Aza moutou ya pamba pamba te. Kongone moutou nyo sotomo na kaya kaboyi. Une dame qui a œuvré. Elle a toujours été. C'est une femme qui a été constante dans ma kambounaye. Bota la musique et maman tcha la moine. Constante, tu n'as jamais colongé na mutu a chinaï. Azala toujours constante. Rythme naï mankamune constant. Azu mobali, boto tu n'as jamais koyoka mama oyu. Azo sala mobulu. Mobali ne toyoka ki as bota kinana ni soki anya star fie moko boye ya danseuse. Mais makambuana et tu n'as jamais ko détruire foyer naï. C'est une dame qui a un cœur vraiment solide. Aibu ko gérer foyer jusqu'à ce que makambu ya kobota mwana wana eleka. Mutata moko ta yoka ke bazana kofi landa kupona kuboti po mobali aboti libanda. Elle avait même compris que mibali nyoso bazalaka na makambuana. Elle a préféré ko sauvegarder ko protéger foyer na ye. Ata mutu moko ta loba ke papa aza gigolo hein. C'était toujours dans le normal. Le lendemain après 10 ans ce ko fande place moko 10 ans ya ko kibinage boba na ko benga gigolo boza ba maudit. Un monsieur qui est en train de saigner. Moi si n'ai auti ko koufa, il a perdu sa femme, il a perdu son épouse. Au lieu de le consoler, au lieu de consoler famille, bino boza ko crier ba n'importe quoi. Même la famille de maman Chalamone. Elle boza ko lela. Vous devez pleurer, il ne faut pas pleurer seulement sous émotion. Il faut contrôler la façon de pleurer. Boza ko benga mutu ya bato. Moutou aze ko sali sabino ta moussous. Papa ou yo a un moment donné a sali sa pebino. Bozo benge gigolo. Pourquoi botika la jamais ko benge gigolo pendant que mlen tchala mwana zala ki vivante? Botika la jamais ko bimisa makambo wana? Pourquoi le londe boko bimisa makambo wango? Bokomi ko lela na biloko na ye. Ce qui vous a dit que na monde oyo, biloko ya ndeko na yo za biloko na yo. Moi si oyo tchala mwana, que son âme repose à paix. Elle a travaillé très fort pour akoma tchala mwana et se sacrifier na makambo ebele. Makambo a zwi na vie na ye. Eza la ndaku, eza la lipapa, eza la chenette. Elle a travaillé pour ça. Si kabino bandeko na ye, bofanda kanabino kaka. Akufi si kabo komi kolela biloko. Bozo mwana te keza et ça ne fait pas de sens. Bino bozo fanda kaka, bozo la mutu akufa po bozo biloko na ye. Soki lelo batu badi ko lo babino batu bobomiye.
bozo batu mabete. Comment expliquer que bozo lela? Ndeko na bino akufi moins de journée moko. Bokomi ko lela biloko. Biloko ango bosomba te, bopesa ete, bobombisa epana yete. C'est elle qui a souffert pour avoir ces choses là. Peut-être son mari aussi a contribué na makambaza nango. Mais c'est qu'elle bozo ko benga e gigolo. Ezako lobela bino atelo ko moko te parce que papa wana bolinga te akoma deja bokilo soit akoma semeki na bino. Puisque na tant ou nani mama chala mona zalaki vivante. Botika la jamais ko koloba makambo boza koloba lelo. C'est que bino boza tant ka anga congolais. Bien ndeko na yo ezaba bien na yo te. Et si quand mon côté comment que eloko na ya yande kona yo soki akufi ya kotike la yo eza eloko na ye eloko ya bana na ye soki pe alingi ateki eza ya ye elle a souffert ak mama oyo atambola monde mobimba pona po koma lelo les gens de na mboka na biso na Afrique mobimba et n'est pas seulement af congolaise elle a travaillé partout dans l'Afrique akanga ba photo na ba Thomas Sankara ba via Kalawana ba ufo di bweni ba yebiye ba president ya ba mboka Afrika ba yebiye ba yebikiye chala mwana elle a imposé son savoir faire elle a imposé sa marque mais bino bande konesika bokomi ko lingande sika bobanda kolele on dirait c'est bino bino batu bobumiye puisque mutu normal makambo tali yote eloko na yote oza kolela po ozwa yango bino bozangi maboka okende kosala mboka o boza koloba iza kukufa yepe aza na mboka wana elle s'est débrouillé au Congo bino pe boza na Congo mais au lieu ko se débrouiller na marque na bino bozo zela ya kufa po bozo biloko na ye n'importe quoi batu baza koloba président ba bomie po amemba nzembo ya ingratitude bandeko nanga bandeko mutu nyoso na mboka oyo mutu nyoso akukufaka botika kokotsela ka batu makambu bozala kite boyi makambu na bangote bokomi kokosela pre soki mwasi ya president ki abomiye boyebite ekomika ka bilobaloba bozokanisa kaka bobandi koloba bilobela bozana previte pardon bozana previte me bozolo ba makambu bozana anga congolais yango tozomona mboka na biso ezobeba puisque ya pas de personne intelligente. Elle va ça koloba mboka na biso etondi na ba matière nyoso. Tokoza na matière nyoso, mais soki la personne otozobenga personne aza mayele te ba matière otoza na ngona Congo eza inutile. Puisque soki boza na personne muti ya mayele aza te akogere biloko wana ndenge nini? Il faut que se transforme na kozala batu moko utile na société. Et loko na za komona biso ba congolais majorité na biso 99% ya population congolaise baza eloko te baza mayele te baza ba inutile boza mayele te ata mukete mboka tolaka ka batu population plus de 15 millions na capitale 15 millions mais mutu nini aza na mayele ko transformer population wana transformation population wana. Mboka yo sa 21e siècle batu baza ko se transformer baza ko évoluer mais biso ka ba basses na mutu oyo a cause la inflation na nombre à 15 millions de population na niveau ya kin ya aucun inflation bango yo sa basses au Congo inflation oto yebi kaza ya munene. Je pense que Zach Mwekasa, c'est le seul influenceur congolais qui a de l'impact. Mais ce sont des mandias, les gens qui veulent paraître dans la société avec des têtes vides. Botika maman, yo, ape manakimia. Botika papa, allez la moi si na ye comme il faut. Ce qui besoin de penser à aucun de vous. Ko se solidariser na bango te botika bango balela si vous ne voulez pas izana bato ba koya pour pona ko consoler bango laissez les enterrer leur mort laissez les respecter moi si na bango ndeko na bango bo pesa bango espace wana balela ndeko na bango. Je pense que message nangai leki mais ozaka moi vite puisque motema nanga ko tuza biete na ndenge bato bazako lobela makambo na ndenge bato bazako bazo koma na niveau ya respect ata mukete envers
bah avec nani mutuna biso ya otiko tika biso mama mobimba mama mobimba zape mwana mukete moi soit ça constante na makambu na yi depuis akota mutu ya PPRD atika la ko changer te malgré bazanga pouvoir atika la ko changer te aza constante kuna asali mutu jinai atika la jamais ko changer makambu le ka kuna botiko tika la jamais okute na ba désordre c'est une dame figure public oyo ayebi ko maintenir kombo na ye personnalité na ya maintenir yango na Afrique oyo akufi oyo tchala mwana mboka Afrique mobimba bayebi ki mwa tchala mwana akufi bayebi exemple oyo bakoki ko représenter une société na public mais c'est le Congo boniko nuire personnalité na ye boniko nuire image na ye oyo bokuna nanu ye aki ape bokuna nanu ye après ba 1 an ba 40 jours ne bobanda ko bimisa ba salité na bino mais pour le moment et yo d'abord l'esprit tous ont la nano bon.